Non mais plutôt que parler de l'Allemagne, parle de nous. Ben nous, on a une grosse génération, faut pas se tromper non plus. Jamais des gens se posaient avant qu'ils soient champions du monde. Il y avait des débats qui disaient est-ce que cette génération est meilleure que celle de 98 alors qu'ils n'avaient rien gagné. Donc ça foutait les mecs de 98 en rouille. Et on s'aperçoit que c'est vraiment hier, c'est pas Mbappé, c'est Griezmann qui te fait marquer. Il y a 4-5 mecs dans une équipe dans la même génération aussi, hein, qui sont capables. Lloris de faire très bon aussi. Lloris, t'as des mecs qui sont tous bons à tous les postes et qui sont peut-être, t'as peut-être, allez, sur 11 mecs, le 11 ouais, titulaire, t'as peut-être la moitié des mecs qui sont les meilleurs du monde. Donc c'est quand même. Eh oui, Pierrot, mais qui sont jugés par les autres comme les meilleurs du monde. Non, je suis pas d'accord. Bon, attends, pas les, comme pas, il y en a deux ou trois. Mais non, trois. Ils s'enflamment. On peut dire que l'Allemagne reste une grande nation de foot quand même. Mbappé. T'échanges qui poste pour poste dans chaque équipe? Mbappé. Qui plus fort que l'autre? Mbappé. Le goal. Le goal. Dans les meilleurs du monde. Griezmann, Lloris, Mbappé. Kanté. Varane, arrêtez de délirer là, vous êtes en train de Varane, tout ce qu'il a prouvé ces dernières années, oui. Moi, je te dis qu'il y a la moitié des mecs. Alors nous, on peut pas les juger parce qu'on est français. Tu vas aller voir les Espagnols, les Italiens, tout ça, tu leur dis la liste, ils te disent t'as Emma, tu dis sur 11 mecs, t'as 5 mecs qui sont les meilleurs du monde à leur poste. Donc voilà, moi je demande en Angleterre ce qu'ils pensent de Pogba, ça m'étonnerait qu'ils te disent que c'est le meilleur du monde. Surtout qu'ils se taisent, il y a plus rien, ça fait 40 ans. La dernière fois, c'était avec Cohen. Qu'ils ont gagné. Oui, le père de Ben Cohen. Non, pas le père, l'oncle de Ben Cohen, qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. 66. L'Angleterre. Mais, 66. Mais ça fait 50 ans.